Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 4, la Voix de l'Américaine à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélisère. Nous comptons entrer la caillou pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne, avec un grand point cap dominé actualité. En Haïti, plusieurs activités marquées journée 7 juillet 2024, là, qui c'est 3e anniversaire l'an mort, président Jovenel Moïse. Activité qui sortit bon côté l'État et bon côté partisans défunt président. Toujours dans le pays d'Haïti, après yon viré aux États-Unis, Premier ministre Gary Coney retourne dans le pays à dans mi-temps yon mésentente à Conseil présidentiel transition. Dans l'international, le président Joe Biden lance appel à tout démocrate pour rassembler pour courir candidature là. Pendant l'été dit avant ça, c'est seul bon Dieu qui peut demander quitter cous là. Et puis États-Unis à Paris pour accueillir dans Washington DC, sorti 9 pour arriver 11 juillet ça, yon sommet l'OTAN qui coïncidait avec 75e anniversaire organisation traité Atlantique Nord. C'est pour ça, yo, avec l'autre encore que nous allons développer pour vous dans un petit moment. Avant d'aller dans le développement actualité, avant d'aller dans le pays d'Haïti, eh bien, nous avons une mauvaise nouvelle, nous touchés par le deuil, nous perdons un gros coquin collaborateur, n'a parlé de Serge Rodriguez. Nouvelle là déjà prend la rue, alors que nous pouvons même bailler, mais en pile station de radio, gantant après les noms pour parler nous de Serge Rodriguez, qui était qu'on présenté d'une part. Et nouvelle sous vedette yo, le son anglais elle te kon fait rite Caraïbe international. N'a ge pour nous retourner sous camarade ça, yon gros camarade que nous perdu. Donc nous comprenons que VOA Creole en deuil. Nous prenons l'actualité dans le pays d'Haïti. Hier, dimanche 7 juillet 2024, là c'était anniversaire, assassinat du président Jovenel Moïse. Autorité yo, yon côté marqué journée, même jantou avec fanatique ancien, eh bien, défunt président, yon même tout yon marqué journée ça. Yves Manuel Abdino plus. Autorité haïtienne a organisé hier dimanche une cérémonie réflexion et commémoration dans mémoire président Jovenel Moïse qui était assassiné dans date 7 juillet 2021. Cérémonie a déroulé dans villa d'accueil siège exécutif là en présence principale autorité tant que Premier ministre Gary Coney et président Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils sans compter l'autre membre du gouvernement. Pendant événement poignant ça, président Conseil présidentiel l'a exhorté ministre justice Carlos Hercule pour prendre toute mise nécessaire pour traduire en justice toute commanditaire au terre accomplice Jacques Malhonnête. 7 juillet 2021, Jovenel Moïse, 53 l'année, était crabiné dans la résidence privée libre Pèlerin 5 dans Pétionville par un commando mercenaire colombien sans que Galdi Colli pat intervenu. C'était responsable assassinat identifié et jugé, notamment ancien sénateur haïtien Joseph John Zorwell, haïtiano-chilien Rodolphe Dia, ancien officier militaire colombien Alejandro Rivera Garcia et Joseph Vincent qui condamné dans prison à vie par un tribunal Miami pour olio dans tragédie ça. Document judiciaire miamien révélé que de février à juillet 2021, sud la Floride était centre côté toute planification, financement, complot qui visait renverser président Moïse Lan et puis installer un autre président qui favorable à intérêt politique et financier conspirateur. Commémoration ça rappelait non seulement pète tragique Jovenel Moïse, mais tout nécessité pour la justice à transparence dans affaire ça, qui profondément marqué par Haïti, sans compter communauté internationale. N'a pas rappelé dernier développement dans le cas pays d'Haïti, dans le cas d'enquête ça, venu dans le mois février qui s'est passé là, lorsque le juge Walter Rousseff Voltaire, qui en charge dossier, inculpé une cinquantaine de personnalités parmi eux, veuve président Martin Moïse et ancien Premier ministre Claude Joseph. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves. Pendant ce temps, il y a un groupe organisation sociopolitique, Team Martin Moïse, avec Projomo, avec divers lots, qui mandait pour Nations Unies mettre campé en Haïti un tribunal pénal international dans le cadre et enquête sous assassinat défunt président. Détail avec Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Sénat occasion, trois l'année, assassinat, ancien président Jovenel Moïse, dimanche 7 juillet 2024, l'an, groupe organisation Sayo, Team Moïse, FONOP, Haïti, Diaspora, pour Jomo, Fondation Boustadion, pour citer ça seulement, lancer appel pour demander Nations Unies créer un tribunal pénal international en Haïti pour lumière capable faite tout bon vrai sur la mort ancien chef de l'État. Militant politique Rosemont Jean. Automatiquement, nous avons un tribunal pénal international, ça, à la manière de procès Premier ministre Liban, les ça, il y a qu'à connaître qui rôle la République dominicaine joue dans l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a qu'à connaître qui rôle les États-Unis
et Colombie jouer et les ça y a pas fixé responsabilité de façon claire et nette parce que ministre qui là gouvernement ça là pas qu'à fond bon procès parce que y a toutes des implications d'une façon ou d'une autre dans l'assassinat de ce fait y a pas d'intérêt pour bien mieux fait dans l'assassinat. Yo commando a été débarqué dans la soirée 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2024 quand ancien président Jovenel Moïse Pèlerin 5 Pétionville assassiné avec plusieurs balles. La justice haïtienne d'après Saoudi pourquoi en mesure pour être capable d'ériger vraiment un procès pour être capable de mettre en bas-code tout le monde yo suspect qui impliqué de près ou de loin dans l'assassinat ça Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti après un viré rond ici aux États-Unis, il y a un premier ministre haïtien, Gary Coney, qui retourne dans le pays en mi-temps, il y a une mésentente avec le conseil présidentiel transition sous voyage. Ça. Et M. Coney a bâillé lui-même un résumé sous viré rond qu'il a fait sous territoire américain. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que l'intervention est tout excessivement important pour le succès, j'aime dire la transition. Pour nous capables de sortir silencieux là de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut, pas qu'il y ait l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde montrer. Première priorité, moi, c'est que tout côté, l'État pas là, faut retourner avec l'État. Affaire de territoire que nous pas contrôler, c'est une priorité pour moi, pour l'État reprendre place. Retourner, institution retourner, et que zone retourner en possession, contrôle, en supervision de l'État. Cependant, gagné yon mésentente et mésentente ça c'est entre la primature avec conseil présidentiel transition côté premier ministre Coney dit lui-même il était informé CTPA en va que t'es voyagé alors que CTPA dit c'est dans une note WhatsApp que il recevoir information sous voyage là. Mais gagne mon qui a posé question qui dit est-ce que pat doit gagne un chit attendait entre deux et membres exécutifs là, ils ont exécutif bicéphale pour surtout que t'as pas le discuter de sécurité Haïti, relations diplomatiques, t'as pas le parler de politique extérieure Haïti. Est-ce que deux entités ça y est pas de gain pour te chita ensemble, pour te connaître qui ça t'as pas le dit aux États-Unis, nava chercher yon lot yon spécialiste qui dit nous plus sous question ça ou sous VOA Creole suivi un programme dans langue créole haïtien. Oui, États-Unis apparaît pour l'accueillir dans Washington DC, sorti 9 pour arriver 11 juillet Capvin là, sommet l'OTAN, un sommet qui coïncidait avec 75e anniversaire et traité Atlantique NOAA. En allant ça vibrer. Thanking you for your leadership, your commitment to NATO, to our Transatlantic Alliance. États-Unis a préparé pour accueillir dans Washington DC sommet l'OTAN, 75e anniversaire l'OTAN. Et dans le moment où on a parlé là, jeudi, c'est lundi, qui c'est 8 juillet 2024, avec on y a ces journalistes qui viennent chercher accréditation. Et puis, on a une conférence de presse tout pour sous question sécurité et cap fait aujourd'hui. Pour les journalistes, qu'on est ça, ils cap attendre pendant le sommet. Donc, ce sommet qui a un paquet de valeurs, surtout que la fête, dans un moment où il y a deux gros guerres dans le monde. Et on a parlé de l'invasion de la Russie dans le pays Ukraine et puis guerre qui guerre entre Israël avec Hamas. Donc, on a porté tout le détail sur gros événement, ça, surtout ce 75e anniversaire et organisation traité Atlantique Noir. L'OTAN, et nous connaissons toute l'importance que l'OTAN gagne, surtout avec guerre. This summit will celebrate 75 years of the greatest defensive alliance in history. The summit will deepen our extraordinary transatlantic bond. And strengthen our shared security. Donc, Abgen VO Akol, cap présent, donc demain à 9, 10, 11, et bien dans Washington DC, c'est un gros événement qui a réuni un paquet de grands représentants l'OTAN et puis donc un paquet de grands chefs d'État, surtout que c'est une édition qui est spéciale parce qu'elle coïncide avec 75e anniversaire
traité Atlantique Nord. Et puis ici aux États-Unis, c'est question élection aux États-Unis 2024 là, son année électorale, et bien président Joe Biden qui en difficulté et dans moment n'a parlé là, il lance un appel by démocrate aux États-Unis pour faire yon seul pour correct candidature. Et avant ça, il a dit que c'est seul bon Dieu qui pour mandel pour le quitter. Cela et il croit que bon Dieu pas mandé ça. Donc gagner et gros bar de fo cap rale koyo gagner tout qui toujours et ben a soutenir et président Joe Biden. Donc gagner en pile et électeur démocrate qui toujours témoigner solidarité yo, qui toujours témoigner allégeance yo pour président Joe Biden lui-même cap essayer sauver campagne pour réélu pour joindre un deuxième mandat pour aller dans la Maison Blanche gagner en face li ancien président et républicain Donald Trump. Et puis États-Unis et Français dans New York, ici aux États-Unis, voté dans l'élection législative, citoyens français à l'étranger t'es voté dans l'élection législative dans le consulat général la France là dans New York, Valérie Saint-Louis t'es sous place. Citoyens pays la France yo t'es préparé pour participer dans l'élection législative qui plus conséquent et qui gagne plus impact sous pays yo dans dernier moment ça yo. Samedi passé, plusieurs monde qui habitaient dans le territoire l'autre bord de l'eau pays la France, ont commencé à déposer bulletin dans le bureau vote dans l'espoir pour que le parti extrême droite là une grosse présence dans le Parlement français. Bureau électoral a observé une pause traditionnelle avant deuxième tour hier dimanche. Après une campagne électorale qui a eu tension montée à travers le pays avec plusieurs douzaines d'attaques sur différents candidats. Première région française qui était votée, c'est Saint-Pierre et Miquelon. Youti archipel français dans zone côte pays Canada. Côté que citoyens ont commencé à voter à partir de 10h. Après ça, c'était tout par monde qui habitait dans le territoire français Caraïbio, qui gagne la donne Martinique, Guadeloupe, aussi bien que pays Guyane française qui est même dans Amérique du Sud là. Territoire français qui est dans la zone Pacifique, est arrivé voter après que moun dans le territoire principal pays la France là, yo même yo voté à partir de 6h hier dimanche là. Bon côté pas aux citoyens français qui yo même dans la cour New York, yo té voté dans deuxième tour élection législative ça. Une élection qui comptait en pile avec des enjeux extrêmement élevés d'après moun qui était campé dehors consulat français dans Manhattan. Yo pensais que bureau vote ça pral bay français yo plus gros présence yo dans parlement pour première fois depuis deuxième guerre mondiale là. Oui, parce que je pense que l'enjeu est extrêmement important et je m'inquiète beaucoup de l'avenir de la France et du monde. Et c'est pour ça que je vote, j'ai toujours voté aussi en France et je continue de le faire ici et je prends ça très sérieusement. Je pense que les US, il y a eu beaucoup d'élections qui sont plus importantes que celle-là. Très, très important de voter, j'en ai beaucoup parlé avec mes parents aussi, essayer de convaincre les gens dans mon entourage de venir voter. Également, enfin, ouais. Les Français de l'étranger, ils sont souvent plus, ils se sentent plus français que les Français qui restent en France. Ils sont très fiers d'être français, alors qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas si fiers d'être français. Président Macron a prêté sous pouvoir jusqu'à élection présidentielle et législative dans le mois avril 2027. Mais Kounia li doué fait face à la possibilité pour partager pouvoir ensemble avec opposants politiques liés. Perspective pour que la France forme premier gouvernement extrême droite lié depuis deuxième guerre mondiale là, t'es découragé allié européen lié, qui ont même déjà douteux par rapport à sondage qui pas en faveur Macron. Ça qui quitte une question sans réponse ou qui est-ce qui prend le responsable gouvernement français ça, les Jeux Olympiques ont commencé dans ville Paris le 26 juillet prochain. Président français Emmanuel Macron t'est refusé démission premier ministre pays. Il était mandé pour le rester temporairement comme chef gouvernement après résultat élection tête chargée ça, qui t'est quitté gouvernement tête en bas. Résultat final dans vote dimanche a augmenté risque pour paralyser deuxième plus gros économie Union européenne. Plus passé 50 candidats avec chef campagne ont subi attaque physique pendant 4 semaines de roulement campagne électorale ça qui pique coûte dans histoire moderne pays la France. À peu près 30 000 policiers qui gen la dedans 5 000 nan yo t'es déployé dans ville Paris dans week-end qui s'est passé là pour éviter problème dans pays la France. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis, ou toujours sous VOA Créole, ou à suivre un programme dans langue créole haïtienne. Nous pourrons traverser dans l'autre sujet qui a un rapport avec international là, mais qui a un rapport tout avec Haïti. C'est comme ça que représente un pays Taïwan, dans Washington, dit la voix de l'Amérique. Pays lui espérait maintenir relations serrées avec Haïti, malgré gagner un nouveau gouvernement qui saute prend contrôle pays A. En parlant de conseil présidentiel de transition avec Premier ministre Gary Conille, Sandra Lemaire, Abdino Plus.
Dans une interview avec VOA, représentant Taïwan à Washington, Alexander Tarrey Hui déclarait relations entre pays avec Haïti étaient jam et que malgré les turbulences Haïti constatées pendant le mois passé, Taïwan kembe la femme. By the way, our embassy, our technical mission, they have never left Haiti. Even with all this parenthèse, ambassade, nos missions techniques n'ont pas jamais quitté Haïti, malgré toute turbulence, crise avec des ordres qui étaient gagnés. Ambassadeur, nous, avec employé ambassade, là, resté en Haïti. Ils ont quitté la ferme pour continuer à appuyer le peuple haïtien. Représentant dit qu'il n'est pas attendu à ce que nomination nouveau gouvernement provisoire change relations serrées de pays au partagé. And I hope that order will be reestablished in Haiti and we'll be able to implement. Puis j'espère Haïti est capable rétablir l'ordre la caille plus vite possible parce que il y a un pile projet que nous envisager que nous obliger pas lancer à cause instabilité. Nous gain des belles projets dans domaine culturel, électricité, l'eau qui peut apporter gros bénéfices pour population. Water projects etc. to bring them as much benefits as possible for the people of Haiti. 4 juillet passé, ambassadeur taïwanais Wen Jiankou a rencontré ministre défense haïtien Jean-Marc Berthier Antoine pour discuter sous coopération bilatérale dans le domaine défense là. D'après nouvelle, responsable a discuté sous formation pour soldats haïtiens. C'est première fois la Médaïti discutait sous possibilité pour ta coopérer avec Taïwan depuis démobilisation force là en 1994. N'a pas rappelé que Haïti et Taïwan ont établi relations diplomatiques en 1956. Dans le passé, plusieurs présidents taïwanais ont visité Haïti. Représentant Taïwan dans DVOA, j'ai fait la Chine a fait pour l'olo pays dans Caraïbes là, parmi eux Haïti, c'est un bagage pays li a suivre et puis essayer contrecarrer. It's a way for Beijing to maintain its state owned companies. Il dit c'est une façon pour Pékin assurer compagnie nationale qui était active et puis faire l'argent et puis bailler mon travail. Mais ils n'ont pas intéressé dans sacrifier pays ça à long terme parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de gros infrastructures ça ensemble avec ports, etc. Donc ils ont créé un paquet de dégâts dans pays ça parce qu'ils ont épaté avec assistance et approfria. Dans le commencement, ils ont porté en pile l'activité économique, mais pays ont payé ça cher et ils ont fait ça non seulement dans les Caraïbes là, mais tout en Afrique, à Kazi. They're paying a high price, as shown in not only in the Caribbean but in Africa and in Asia and so on. So, représentant Dino Taïwan lui-même, même genre que États-Unis et Europe, choisit plutôt pour bailler pays dans les Caraïbes là assistance en domaine côté où vraiment besoin li, tant par exemple éducation, technologie et agriculture. La Chine réclamait Taïwan comme territoire pali et li boudé relations il a gagné avec Caraïbes là. Haïti fait commerce à tous les deux pays. Pendant une rencontre Conseil sécurité Nations Unies 5 juillet dans New York, ambassadeur chinois a félicité Premier ministre Gary Kony pour progrès qu'il fait pour résoudre crise dans la semaine qui passait. Mais il critiquait les États-Unis pour pas que les armes qui étaient sorties la Kali pour tomber dans les groupes gang améo qui cherchaient prendre contrôle pays. Représentant taïwanais Alexander Tarrey Hui, t'es parlé avec collègue nous, Elizabeth Lee. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire, ou toujours sous VOA Creole. On va suivre un programme dans la langue créole haïtien. Nous pourrons parler de température, nous pourrons parler de mauvais temps avec ouragan ou tempête tropicale Beryl, qui fin fait dégâts et tout le monde dans les Caraïbes là, et puis qu'on y a les passés près. Mais Mexique, côté qu'on y a gagné. Blackout, gain inondation, donc il fait un pile de gars et il quitte moun mouri d'elle. Gentil Augustin Junior cap suivre pour nous de très près situation ça, pral ba nou yon mise à jour. Cyclone Beryl rive tout près Matagorda, Texas.
C'est ça, Centre National Cyclone États-Unis, NHC, dit jeudi lundi 8 juillet 2024. Là. Après tempête qui t'a proché, t'es forcé autorité yo, fermé principal port pétrole yo, et puis annulé vol avion yo. Image qui passait sous agence Nouvelle Waters montre de l'eau la pli qui envahit building yo. Et puis, travailleur et station gaz qui tap vloppé pompe gaz yo ak plastique jodi lundi ya. Mais, résident Texas yo préparé pour cyclone Beryl. Moins inquiété plus pour la pluie passé inondation. Mais après ça, moins pas trop inquiété. Moins préparé. C'est comme ça, résident Texas Gary Short te parlé à Waters. Résident Texas yo hier dimanche 7 juillet, t'es plein tank gaz yo et puis t'es acheté dans market local yo tout ça yo besoin parce que yo t'a préparé pour tempête tropicale Beryl. Que mette yo te prévoir comme quoi li t'arrivé dans niveau cyclone avant le te frapper région bien bonnet jodi lundi ya. For those of us that do live on the island, pour nous même qui rete sous île ya, nous bien préparé pour ça qui relé inondation. Mais moi te viv cyclone Ike ak Harvey en pile bagay kon sa ki donc moi gen yon ti inquiétude mais pas trop mal mais nous toujours paré nous pour yon panne courant électrique ak bagay kon sa mais nous pral seulement entrer dans situation ensemble nous pral traverser ça ensemble dans Galveston Texas ou te kawe debris ki gaye ak building ki dommage pendant cyclone Beryl t'a frappé état Texas jodi lundi 8 juillet 2024 la ak gros vent et puis gros la pli. Beryl premier cyclone catégorie 5 pour saison 1 te faibli après li te frappé ville Madagorda ki sous bol en mer Texas ak gros vent tempête et puis gros la pli. En vent li te déplacé pour rive Houston d'après Centre National Cyclone États-Unis NHC. NHC prévoit l'état doit arriver dans l'est Texas ak nan Lower Mississippi Valley ak Ohio Valley semaine sa même. Mete yo publié avertissement sous inondation pour plusieurs comtés ou bien arrondissement nan sud-est Texas. Parmi yo Houston, gros vent frappé Houston jodi lundi à nan matin pendant de l'eau te envahi tout rio. D'après ça yon témoin dit agence Nouvelle Waters. Tempête Beryl te passé pran Jamaïque, Grenade, Saint-Vincent ak Grenadine ak Mexique semaine passée ya. Touye au moins 11 moun et puis demoli building ak fil courant électrique yo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci d'être choisi VOA Creole, pas déplacé. Merci d'être que vous pas déplacé ou toujours sous VOA Creole. Et l'église Tabernacle de Gloire ou bien Tabernacle de Gloire inauguré vendredi à nouveau local là dans North Miami dans état Floride. Construction locale ça qui coûtait 60 millions de dollars américains provoqué un pile commentaire dans communauté haïtienne n'a pas rejoindre Luxon Saint-Ville. C'était une cérémonie d'inauguration qui t'a fait la police obligée de bloquer plusieurs rues dans notre Miami. Fidèles, amis, simples citoyens haïtiens, t'ont décidé de venir contempler le bâtiment tout neuf ça qui est posé dans la zone. Ruban yo t'a coupé en présence de divers officiels dans la région, parmi eux, Alix Desulmé, magistrat de notre Miami, qui dit que c'est une inauguration historique. Tab of Glory, recent home. And home will always be the city of North Miami. Tabernacle de Gloire, maison que l'IA a toujours fait part de North Miami. We want to congratulate Bishop, our Bishop. Nous voulons féliciter Bishop Panoa. Our Potomitana community. Our pillar in the community. Gregory Toussaint. Bishop Gregory Toussaint. And the entire congregation. Et toute congrégation entière. On this historic inauguration and ribbon cutting of this new campus. Et de coupure de ruban et inauguration historique ça. Après premier partie cérémonie, participants ont une possibilité pour entrer et puis visiter espace là. Sorti dans achat terrain, études, plan architecture, construction, installation audiovisuelle et technologique. Bâtiment ça a coûté au total 60 millions de dollars américains. Building ça a passé de estimation de
17 millions. From 17 première estimation, on a fait plan. Le nous fin fait plan. When we were done doing nous passons à 20 millions. 20 millions, c'est quoi? Et puis, qu'on y a ajouté équipement. Now add on the equipment. Nous passons à 30 millions. Jeudi à noir, 60 millions. Today we're up to 60 million. Pour Bishop Grégory Toussaint, construction nouveau bâtiment ça qui a une capacité plus passé 3000 places. Chita, c'était un rêve que bon Dieu aide à concrétiser. Yo te dit impossible. They said it was impossible. À 17 millions. With 17 million. Bon Dieu fait le possible à 60 God millions. Pendant tout week-end, inauguration nouveau local, l'église Tabernacle de Gloire là dans Miami, tenant mitan de bayou. Félicitations, fierté en même temps critique. Chaque monde t'a baille opinion yo et dit comment yo comprennent projet ça. Pendant ça, pasteur Grégory Toussaint annoncé diverses lotes initiatives tant que construction yon l'école. Yon projet immobilier, yon complexe kap gen l'école professionnelle, studio télévision moderne et la trier. Depuis North Miami, l'État Floride, Luc Saint-Ville, pour VOA Creole. N'a quitté l'État Floride, n'a pral l'État Massachusetts pour n'aller dans l'autre registre, et bien Michel Martelly. Alias Sweet Mickey qui provoquait en pile sensation et surprise même elle participait dans un bal surprise dans Boston samedi qui était 6 juillet 2024 là journaliste Erlich Dorelas. Samedi 6 juillet 2024 là ancien président Michel Martelly groupe musical Lee Sweet Mickey était fait apparition surprise dans ville Boston Massachusetts. Organisateur soirée qui fait 6 juillet 2024 là pas mettre dans Sweet Mickey dans affiche là yo te metté dans Vague la vie avec trois DJ qui t'a joué dans soirée là yo te quitté yon invité surprise. Pour quelle raison organisateur yo pas mettre dans Sweet Mickey dans affiche là si grand public n'a pas connaît Sweet Mickey t'a venir jouer pour fanatiques avec partisans yo te connaît. Mijli, nos fanatiques Sweet Mickey, t'es parlé comme ça dans micro VOA créole. En fait, dit non pas dans affiche là vraiment bon pas connaît, on connaît que mon bagage chaque fois je tout difficulté, il y a monde qui manifestation tout ça. Mais OK parce que me sent dans ce jazz même j'ai tout l'autre jazz. Il a dit non bon pas venir dans ce pas venir dans Michel Martin, pas venir voter, moi venir dans Sweet Mickey. Ronald Nelson, connu sous le nom Nelson, t'es pas plus explication. Pour quelle raison c'est comme ça affiché bal Sweet Mickey dans Boston, Massachusetts. N'importe ça lié, si bon fait. Président Plam doit là parce que ici à c'est quand moi. Pas rien l'autre artiste qui a fait ça non. Okay. Artiste qui vient jouer sans annonce sans rien. Et puis c'est comme ça président il veut faire lui et puis il fait. Peggy Guit, yon allié Michel Martelly, yon pas capable là, t'es présent pour soirée ici là, t'es parlé avec VOA créole. C'est musique à bon moment, tout le jeu musique pour monde. Il est fanatique. Bon côté, ancien délégué Noah, Yvon Alteyon, il était parlé, qui s'est expliqué présence liée à Soya dans la soirée là. Bon, je dis honnêtement, et son plaisir pour nous. Et le fait que dans Boston, dans le passage de Michel Joseph Martelly, Kovlil Kobavel, qui était connu déjà sur l'affaire Sweet Mickey, et c'était président compas. Si je dis à vous dans la zone, Michel Abnazona, c'est normal pour nous supporter lui. Yon affiche clandestin, côté pas de gros tableau d'affichage pour dire Sweet Mickey tape vin jouer dans Boston, Massachusetts. The Perfect Place qui réputation recevoir balle Sweet Mickey. C'est pour deuxième fois Sweet Mickey vin jouer dans The Perfect Place. Fred Fontaine qui a couru pour député dans Boston dans l'élection 3 septembre. Yo, pour qui raison il a accepté deuxième balle Michel Martelly dans The Perfect Place. Ancien président Michel Martelly est sorti de New York pour saluer quelques fanatiques qui étaient sortis de New York pour venir fêter avec lui. Est-ce que cet avait dit Sweet Mickey retournait dans le business musique là? Si partisan que sympathisant pour yo c'est victoire pour un pile observateur c'est pas ça du tout. Erlich Dorelas depuis Boston Massachusetts pour la voix de l'Amérique. Merci Dorelas, c'est là n'a pété fin dans programme dans jodi a nous comprendre que eh ben famille VOA Creole en deuil avec disparition bon ami nous cavalier Paul Cano collaborateur nous frère nous ami nous Serge Rodriguez que nous pas jamais oublier. Moi c'est Jacques Lambert, rendez-vous demain
sous VOA Creole. Pourquoi vraiment mettre pied à terre avec la police pour arriver et croire que ce bandit, c'est des questions qu'on a posées. Mais on a dit que pour lundi 8 juillet, nous apprenons à une conférence tête ensemble entre la police nationale d'Haïti avec la délégation kenyane pour qu'on ait exactement, pour que le peuple haïtien connaisse exactement qui ça, qui c'est pour le vrai travail, mariage entre mission et la police nationale d'Haïti, l'armée d'Haïti. En même temps, on a dit des Ibanez, on a appris que gain 6 blindés. Nouveau blindé qui vient de la police nationale d'Haïti pour que yo capable continuer dans bataille contre les gangs armés dans le pays. Est-ce que il y a un petit fait volant entre la primature et la présidence? Bien que nous apprenons que la prime et la présidence li rappelé avec PM non que exécutif a deux têtes et au même et conseiller yo et la primature c'est que yo deux travail en collaboration pour capable bailler résultat dans sa situation pays a connait là. Deuxième, comment est-ce que avant que vienne avec invité nous? Mais situation nous comptons rejoindre nos amis Kalfoua pour nous venir parler vérité avec les amis internautes qui sont dans quatre coins du monde là pour connaître ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous avons rappelé qu'il y a divers partisans et sympathisants, ancien président républicain Jovenel Moïse, qui fait des activités pour commémorer 3 années assassinat président républicain. Et nous devons annoncer tout. Dans le moment, tout gagné la police qui procédait avec arrestation, l'évadé de prison et Mithil Maslin, alias Arabe, dont songez, qui était dans la prison, qui était gagné comme chef d'accusation. Sous lui, complot contre la sûreté de l'État, incitation à la violence, et puis c'était le commissaire Port-au-Prince à l'époque qui mettait mandat d'elle. Nous voulons parler des commissaires Edley Guillaume et qui a quitté le département de l'Ouest pendant l'arrivée dans le sud-pays. Commissaire Richemont, te mettait Arabe en bas de transférer dans Port-au-Prince. Il était arrivé dans la pénitentiaire nationale. Malheureusement, les démarches qui étaient passées, ils ont eu évasion qui était faite en prison. Monsieur était sorti, et bien la police remettait main dans pas de cassave. Monsieur encore. La situation de la population dans département la Tibonite continue à appeler Voyo pour demander avec chef gouvernement monsieur Gary Conny pour penser avec situation et au même Leve Voyo pour demander à directeur général police nationale d'Haïti Normil Rameau pour penser avec situation département la Tibonite qui pas gain la police là-dedans. Situation paraît très difficile. Je parle de département de la Tibonite qui pas gain police, l'ouest Sylvia la Tibonite lien cours qui pas gain présence policière, commune Lester, situation paraît très difficile. Non pensons de ces résistances populaires qui permettent que mon soit arrêté là-dedans, lien cours pas gain présence la police, ça veut dire département censé par une présence la police autorité au besoin agir plus vite que possible pour sauver ensemble des zones sao qui en bas en prise à bandit grand griffe et bandit coco à sans race qui a fait ça ouvrir accès à hôpitaux. La situation invitez nous dans émission Kalfou vérité sur mes 5 nouvelles jeudi hein, c'est le compte d'or, c'est une responsable Grossam. Et nous connaissons Grossam, c'était une entité qui était en dedans à quoi 21 décembre. Bah, qu'on est si mal, si moi, le compte d'or a aidé moi. Mais le compte d'or, tout, on croit que il y a un ensemble de l'autre escriti que lui-même, l'issé responsable communication, yo, et il y a un escriti que lui-même, tout, l'issé porte-parole à travers vous-même. Le compte d'or, et nous pas parler, non, comment les Guéfrem? Bonsoir Blaise, bonsoir et l'autre amis, monsieur Kenson. Bonsoir tout le monde. Désir Velès, monsieur Eli. Bon, Désir Velès. Désir Velès, c'est Désir. Bon, monsieur, c'est Désir Velès. On va regarder nos ventifiants. Exactement. En tout cas, nous allons nous pas parler vrai, effectivement. Bon, allez, le compte, c'est porte-parole Goussam, et président de Jeunes Chrétiens Engagés. Et président du Conseil national de la jeunesse chrétienne d'Haïti. Bon, nous bien content là, et pour nous parler, parce que y a plus de paroles qui méritent de parler. Et nous allons regarder les premières questions. Hein, le compte, c'est lié avec la question insécurité, puisque li clairement, et autant déjà, je fais mise en contexte, non, Zach et kidnapping n'ont pas campé dans le pays, et bandit n'ont pas suspend envahi, anti-gressier, et en plus l'autre côté encore dans le pays. Et me songe, bon, je dis ça, et nous apprenons tout pendant le week-end, non, que bandit, basse grassier, bah, habite l'homme innocent, a dirigé, et selon habitant Kabib, dans la zone Tabac 43, si je ne me trompe pas, yota akise nek sa ou ki ta mette tipe, soit nan ou espace l'église et l'université unika. Réaction sous question criminalité et insécurité à le compte. C'est qui ça lié? Bon, nous même au niveau de Goussam, nous avons une position claire. Position nous, c'est que nous avons toujours dit que nous avons une police fatiguée, nous avons une police qui est très fatiguée. Cela veut dire son police qui besoin renfort, une police qui besoin renforcer.
C'est pour cela que nous sommes toujours d'accord pour gagner, excusez-moi, pour gagner Sandé Gabriel, la force, là, le fait de la venue de la force multinationale. Jodi a gagné un notaire très connu en Haïti, malheureusement qui kidnappé à la boule. Vous faites tout dire là. Ok. Nous-mêmes, nous sommes comme signataires à cause du 1er décembre. Nous t'ai toujours dit ça. Ce n'est pas morceau gâteau qui intéresse nous. C'est le bien-être du peuple haïtien. Avec ce qu'on va être là. Question force multinationale a venu partie contre goutte là. Nous songez, 94, c'était 20 000 hommes qui étaient venus. À l'époque, c'était petit bout de couteau qui était gagné, c'était 12 rouillés. Jodia, nous gagné des foyers de bandes armées qui bien équipés. Mm-hmm. Voyez au premier planche de 200 moun, pas le dire rien du tout. Donc, moi-même, je pense aujourd'hui, fuck le conseil présidentiel, le conseil présidentiel de la transition, ça n'est le CPTA, fuck le premier ministre Gary Conille, émanation du CPTA. C'est pas un moment pour que tu chires pite, tu dis fais volant. L'heure, c'est bail peuple à service. Et puis, gros, service peuple haïtien, besoin là, c'est résoudre question insécurité. Peuple n'a pas qu'à voir. C'est vrai, avion descend n'importe là. Mais moun yo toujours pas qu'à retourner la caillou. Moun yo toujours délocalisé. Donc, nous à CBTA, nous exiger à gouvernement Konil pour lui prendre responsabilité le plus vite que possible. Le problème à gérer dans l'immédiat, c'est le problème de la sécurité. Nous avons un problème de sécurité. Et maintenant, si nous avons un problème de sécurité, donc, fuck, nous qui dans l'état de responsabilité, yo. Nous, par exemple, Mike Babi, que nous-mêmes, gros Sam, nous sommes secteurs dans CPTA. Par exemple, le fait que nous sommes du 21 décembre, nous sommes secteur au niveau du CPT. Donc, ça veut dire, par exemple, dans l'accord 3 avril, là, l'idée prévoit pour te gagner une structure qui prend le responsable sécurité de tout le pays. Il faut que le conseil présidentiel, là, avec le gouvernement, mette tête ensemble, choisit des experts en sécurité qui pouvaient dire, pour pouvoir travailler son plan de sécurité, et puis les forces multinationales là, au grand complet, pas oublier ça. Et vont me dire mon Dieu ça. La question de l'insécurité, c'est pas force multinationale là qui va résoudre. La force multinationale est là en support avec la police nationale. Donc, nous-mêmes, comme haïtiens, faut nous faire devoir, pas nous, faut nous établir ce qu'on appelle le plan de sécurité. Je veux dire, tu es bon, tu supposé bon, on institution, on organe. Parce que ça coûte organe, ça. Mais t'as l'aide. Maman de ça, comment que nous-mêmes, comme haïtiens, nous prenons établi. Alors, bon, on dit haïtiens, sauf à se parler, mais on va parler de moun qui l'a comme autorité, c'est ça, on comprend bien. Et on va parler de ça, mais qu'on y a là. Et oui, je m'étendais que, même à travers le conseil, tu as parlé de KNS, si je ne me trompe pas, Conseil national de sécurité. Et ça explique selon même. Bon, je me pose une question parce que, oublier, Rossam, c'est un titan de l'accord 21 décembre. Et 21 décembre, il y a un représentant de notre conseil, qui c'est Louis-Gérald Gilles. Qui ça exactement que Louis-Gérald Gilles, comme représentant, bah, nous, et comme explication, qui fait que jusqu'à présent, que vous avez été campé et KNS, non? Bon, généralement, c'est pour question de représentants noirs. Parce qu'il faut voir le CPT comme un système. C'est le CPT qui doit agir. Andaga dit par exemple, notre CP, le CP Gilles, l'intérêt doit avoir toute bonne volonté pour ça faire le plus vite que possible. Maintenant, c'est pas en question de on green moon
mais son question de CPTA, le Conseil présidentiel de la transition. C'est lui-même. C'est liste. Avec le gouvernement de l'économie pour monter institutions rapides. Parce que nous n'avons pas nous pas qu'à résoudre question et sécurité hein, sans nous pas bon plan qui bien élaboré. C'est vrai. Pour qu'on ait un directeur de la police, mais je dis à la nous avons deux semaines depuis qu'on directeur de la police qui là. Comment expliquer comment expliquer que vous dites que pourquoi vous dites qu'il y a la police alors que Ariel fait tout 32 mois avec France LB comme DG la police, ça veut dire que je ne comprends pas. Nous n'avons pas dit là.